Ces excuses seront-elles suffisantes pour calmer la colère des Britanniques? Le Premier ministre Boris Johnson a dû faire profil bas devant les députés qui le questionnaient sur la fête donnée à Downing Street lors du confinement en mai 2020. Présenté comme une réunion de travail, le rassemblement d'une quarantaine de collaborateurs dans les jardins a fait scandale lorsqu'il a été révélé. Monsieur le Président, je tiens à m'excuser. J'ai suffisamment appris pour savoir qu'il y a des choses que nous n'avons tout simplement pas réussies. Et je dois en assumer la responsabilité. L'existence d'un mail envoyé par le secrétaire du Premier ministre a été révélée ces derniers jours. « Apportez vos bouteilles », lançait l'invitation qui appelait à profiter du beau temps dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Eh bien, nous l'avons. Après des mois de tromperie et de déception, le spectacle pathétique d'un homme qui est arrivé au bout du chemin. Est-ce qu'il va maintenant avoir la décence de démissionner? Jusque dans son propre parti, les appels à la démission de Boris Johnson se multiplient. 2 ans après son élection historique, Boris Johnson a vu sa popularité longtemps inoxydable chuter ces derniers mois. Les Britanniques qui n'ont pas pu accompagner leurs proches mourants pendant le confinement ne lui pardonneront pas.